Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo de Kissou. Et on va continuer notre ville complètement pour complètement l'avoir fini jusqu'au dernier recoin de la ville. Voilà. En espérant que les habitants débloquent évidemment les projets qui nous manquent. Mais bon, ça, hein, ça ne tient qu'aux habitants. Alors, au programme, on va s'occuper du derrière de la mairie. Mais juste avant, je vais regarder s'il n'y a pas une tulipe qui a poussé. Si, mais elle a poussé derrière. Hop. Rien à faire ici par contre, le tulipe. Hop. Voilà. Donc, on va s'occuper du derrière de la mairie, en fait, ici. J'ai enlevé le banc. Parce qu'il ne servait à rien. Et on va en fait faire un verger. J'ai fait le même, je sais, j'ai fait exactement pareil à Edenland. Mais que voulez-vous faire derrière une mairie, hein? À Lens, c'est pareil, il n'y a rien. Il y a des arbres, mais c'est tout. Je vois pas trop ce qu'on peut faire à part quand vraiment aller. Il n'y a pas assez de place en fait. Si ça a été plus avancé, on aurait pu mettre un truc. Mais là, je n'arrive pas en fait à voir ce qu'on peut faire. Donc on va planter des arbres fruitiers. Il y a déjà des arbres, je sais. Mais je pense qu'on va mettre plutôt des arbres fruitiers. Peut-être qu'on va garder... on va pas tout couper. On va garder un peu de verdure. Comme ça fera un verger un peu naturel. Pas planté à la main. Donc voilà, on va déjà couper par exemple peut-être les bambous. Et on va mettre... voilà, on va essayer de mettre le maximum de fruits. Ou une partie. Pour qu'on ait au moins tous les fruits. Si on a besoin. Et on va... je sais pas pourquoi je voulais passer par là. Ah ouais, petit champignon. Pardon. Et on va. Mais qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Et on va aussi traverser ce coin-là, en fait, jusqu'à la maison de Kyoshi, jusqu'à la plage, jusqu'au là, en fait. Il est déjà pratiquement fait. Hein, on va pas se le cacher. Hein. On peut même dire qu'il est fait. Mais on va voir s'il n'y a pas des petits trucs. Des petits trucs à enlever, comme là, par exemple. Voilà. On va vraiment essayer de travailler le coin. C'est con, Crashuda, c'est mineur hein, quand même. Hein, parce qu'on aurait pu vraiment faire un joli truc à côté de la cascade. Mais bon. Rashida, elle a depuis le début. Et je l'aime trop, ma petite Rashida. Je suis très contente que Kisui j'ai Rashida. Parce que c'était une habitante que je voulais absolument. C'est mon habitante préférée. Donc voilà. Hein, ce qui explique cela. Donc je sais pas trop quoi mettre. Là, c'est vraiment très, 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 très exigu. Donc c'est difficile à mettre des arbres et tout. Ils sont tous collés les uns aux autres. Donc déjà ce que j'ai fait, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Hein. Ils ont leur jardin privé. Ici, ici il y a un truc qui pousse, mais bon voilà. Ça on va enlever. On va laisser enlever un peu de fleurs, parce que je trouve que quand on met trop de fleurs partout, il y a des villes ça rend super bien, mais moi j'ai l'impression que ça fait trop pâté dans ma ville. Trop. Et je veux pas que ça fasse trop. Donc voilà. Si vous entendez toujours cette magnifique scie ou je ne sais pas quoi, c'est normal parce que je tourne toujours le même jour. J'aime bien ce petit coin. Peut-être ce coin-là est peut-être un peu trop pâté à mon goût. Peut-être un petit peu trop. J'ai peur que si on enlève, ça fasse un peu vide. Oh, quoique. Ah ouais, mais quoique, il faudrait de la place. Quoique, il faudrait peut-être de la place. On va se vider sur la plage, hein, encore. J'ai fait quoi, mon stylet? Ah, il est à côté. Ça va. J'ai froid aux mains. Je vous explique pas. Je ne sais pas comment ça se fait. Parce qu'il fait pas froid, hein. Si les gens sont dehors, c'est qu'il fait pas moins 50. Mais, je sais pas. Je suis dans la maison, il fait froid. Et du coup, j'ai froid aux mains. Et comme je peux pas trop bouger, je ne peux pas les réchauffer. C'est triste, hein. Elle est triste, la vie. Donc, on va voir un peu si en enlevant... cette rangée là, en essayant de la ranger. D'ailleurs, j'avais écrasé une fleur la dernière fois. On va la rajouter. Voilà. Ah, pourtant, j'avais même déjà fait un truc comme ça, mais rien à faire. Ok, s'il vous plaît, pardon. Excusez-moi. Ok. Est-ce que ça fait vide? Est-ce que ça fait vide? On va mettre une tulipe rouge pour faire la symétrie. Oh, ma déesse est en rouge. Mais non, ma déesse elle est en rouge. Non,
Comment faire? Je ne sais pas où il est mon câble. Attendez, on va faire une mini pause. Donc, ben voilà, j'espère que le cadran n'a pas trop bougé. Parce que du coup, bah, j'ai branché ma DS et mon téléphone, mais aussi lui, plus de batterie. C'est génial. J'avais dit qu'il me fallait une tulipe rouge. Mais je vais pas avoir de tulipe rouge sur la plage. Donc, on va aller voir. On va aller voir dans le bazar. Ici, c'est pas une tulipe rouge. Bonjour, je recherche une tulipe rouge. Oui, une tulipe rouge. Et je me demandais si ça faisait un peu vide ou pas. Voilà. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez dit des trucs par rapport à ce qu'on a fait les deux épisodes précédents, là, bah, depuis qu'on a commencé à faire notre ville, ils sont pas encore publiés parce que je tourne tout à la suite. C'est pas possible, je fais quoi le voisin alors? Eh, c'est pas mon père est chez moi. On pourrait croire que c'est à côté de la baraque. Bref, du coup. Non, c'est bien, je trouve. Peut-être. Est-ce que ça fait bizarre ou pas? Non. Mettre autre chose. Mettre l'autre. Voilà. Non. En fait, non. Non, parce que on va mettre un buisson. Normalement, c'est censé pousser ici. Mais j'ai pas de buisson sur moi, donc il faut qu'on aille faire un tour à un mini-mido. Je suis en train de réfléchir que c'est censé pousser quand on peut faire le tour. Et il me semble qu'on peut faire le tour. Si je dis pas de bêtises. Bon, au pire, on peut entrer un buisson pour rien. Mais il faut qu'on aille quand même un mini-mido chercher un buisson. Parce que j'ai pas de buisson de réserve. Parce que je suis un peu pas fut-fut, quoi. Voilà. Bonjour, Mini Mélo. Enfin, tu sais, je suis racine, mais bon, c'est pas grave. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je m'en fous de la fleur, de la plante, là. Moi, je veux juste un buisson. Bon, on va tous les prendre, comme ça, si on en a encore besoin, et ben voilà. On aura. Je vais aussi prendre le petit sapin. Voilà. Et bah, notre coin, on aura fini notre coin. Faut juste qu'on regarde autour de la maison de Kyoshi si jamais il n'y a pas des fleurs qui ont poussé qui n'ont rien à faire là. Mais sinon, bah, on aura fini notre coin là et on pourra s'attaquer à notre verger. Plus ou moins. Notre espace fruitier. Et il faudrait aller sur la plage regarder un peu les fruits qu'on possède. Normalement, j'ai tous les fruits. Si jamais j'ai pas tous les fruits, je me les donnerai. Voilà. Normalement, j'ai tous les fruits. Hop. Normalement, ici, il pousse. Vraiment, mettre un osmanthus. J'ai vu qu'on avait un osmanthus pour suivre. Oui, normalement, là, il pousse. Oui. Voilà, ça serait génial. Ça ferait. Parce que ça faisait vraiment vide là en fait. Mais là avec le buisson, c'est censé rendre bien. Derrière, que nous avons-nous? Bah rien parce qu'on n'a pas de place. Ok. Là on a ça, mais ça on laisse parce que c'est fait exprès. Et là on a le coin jaune. Donc c'est bon. Ok, donc ce coin là, il est fini. Le coin droit de ma ville, on va dire, plus ou moins, il est fini. Il suffit d'aller maintenant chercher les vergers. Les fruits. Pour faire le verger. Oh, quel verre! Une mouette échouée sur la plage. Alors, nous avons quoi comme fruits? Nous avons des citronniers, des pêchiers, des cerisiers, des manguiers, des duraniers, je sais pas comment on dit. Mango Nadia. Oh, je suis un pépé pour notre vidéo là. Je perds mes mots c'est génial parce que je tourne tout à la suite, c'est à dire que je perds totalement mes mots dans tous les épisodes. Pour notre camping, on va mettre un petit champ pépé. Hop, excusez-moi messieurs dames, laissez-moi passer. Bonjour.
Bon, je sais, c'est censé repousser, mais bon, ça me stresse qu'il n'y ait pas de champignons. Voilà, donc autour, ça pourra repousser comme ils veulent, mais voilà, au moins ça c'est fait. Ok, donc, ma hache, j'espère que je l'ai sur moi parce qu'il va falloir que je coupe des arbres. Quand même. Je sais, si je garde le plus gros, voilà, par exemple, s'il y a 3 pêchés, 4, 3, je sais pas combien, ça sert à rien que j'en ai autant, parce que c'est un verger. Donc. Et moi, mon coupe. Coupe, orange. Bah, du coup, orange, on va le garder. Par contre, au niveau des fleurs, ça va coincer là. Hop. Et hop. Orange. Est-ce que j'ai des oranges que j'avais pris? Non, on va mettre des citrons. Hop, donc ça c'est fait. On va le mettre en haut quand c'est fait. Pêche, du coup, bah c'est fait. Enterrer. Une cerise. Pêche, là c'est fait du coup. Donc là du coup on enlève. On verra peut-être pour replanter quand même un. Mangue j'ai fait. Non j'ai pas fait mangue. Ok. Ensuite. Ici je peux en planter un. Est-ce qu'ici je peux aussi en planter un? Normalement oui. Donc mangue c'est fait, durian. Ok c'est fait, donc j'ai plus de place. Et j'ai pas mis tous les fruits. Là là. Il faut qu'on aille se vider. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque les pommes qui sont là. Pommes poires. Pomme, poire. Encore? Mais disons qu'il y a tout le temps une pierre ici. Pomme, poire. J'ai déjà mis du coup des cerises. Cinq, six, sept. Huit, neuf. Qu'est-ce qu'il me manque d'autre? Je crois qu'il y en avait 11. Ah, peut-être en cours. Il me faut une pomme. Une pomme et une poire. Une poire. Et une pomme. J'ai pas de pomme. Ah, c'est là. Une pomme. Je sais plus ce qu'il y a comme fruit. Bah attendez, j'ai mon PC à côté, je vais regarder. Ce sera encore plus simple. Donc, hop. Hop, on va avoir une gueule. Alors, il faudrait me retrouver une autre place pour mettre le fruit. Mais où? Je ne sais pas. Là. Ici, ça peut pousser normal. J'ai enlevé le buisson pour. Pour que ça pousse. Normalement, ça. Ah ouais, attendez, parce que là, j'avais pas vu qu'il y avait le sapin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, tout juste. On va le laisser vivre. Au moins, on est sûr que ça pousse. Alors. Fruits assez aisés. Qu'est-ce qu'on a comme fruits? Est-ce qu'on les a tous mis? Ça la question. Par contre les fleurs. Oh là là, j'ai encore plus de place.
Alors, on a comme fruits. Attendez, je suis sur un site que je comprends pas ce qu'ils me disent. Moi, je veux juste le nombre de fruits. Pomme, on a. Cerise, on a. Orange, on a. Pêche, on a. Poire, on a. Citron, on a. Mangue, on a. Durian, on a. Ah, on n'a pas de litchi. Ni de kaki. Ma limite, les kaki, c'est pas. Ah, on n'a pas de litchi. On a dans la ville. J'en ai même pas vu. Les litchi. Attendez, parce que sur le pont, je vais mettre mes sous parce que ça prend de la place. Ça m'énerve. Je vais manger une pousse de bambou. Voilà, j'ai récupéré un peu de place. Est-ce qu'on a des litchi? J'en ai même pas vu. Donc là, faudrait qu'on. On va peut-être continuer ça la prochaine fois quand les arbres vont pousser parce que. C'est un peu difficile là, je trouve. Et puis, bah, le temps se fait long quand même, non? On va quand même essayer de nettoyer ça. Il me reste 3 places, Ebé. Là, ça va pas pousser. Il faudrait. Virer un arbre. Genre lui. Lui, on mettra des litchis à la place. Enfin, faut-il déjà trouver des litchis. Si j'ai pas de litchis. Eh ben, je suis baba. Je pensais que j'avais récupéré tous les fruits. Si, il y en a là, j'en ai vu. Attendez, je vide mes poches. Hop. Oups. C'est pas ça que je voulais faire. Donc, je crois qu'il va pas avoir assez de place pour le mettre. Ah si. Donc j'ai vu des litchis par là-bas. Derrière tout. Oh, mais comment on peut en attraper un là? J'enlève une fleur. Je vais derrière. Faut que ça tombe au milieu. Hop. Hop. Et que je remette la fleur. Ok. Alors moi j'aurais mis tous les fruits sauf le kaki. À la limite le kaki c'est pas bien grave. Il y a combien? Il y a 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais je crois qu'il y en a 10. Hein. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, avec le kaki 10. Bon, je m'en renseignerai mieux sur un autre site la prochaine fois. Elle nous marche, allez. Hop. Tac. Ah, litchi, enterré. Voilà, magnifique. On va bah déjà ça enlever parce que sinon ça va pas. Ça va faire je sais pas quoi. Mais je veux que mon arbre il pousse. Hop, on va enlever ça et on va de toute façon bientôt se laisser, je pense. Va falloir qu'on trouve des fleurs là derrière à mettre. Mais je sais pas quoi comme type de fleurs. Je vais pas avoir ces places. Il me reste 2 places. Bah, je suis à cette place. Ouais, une place. J'avais envie de mettre un buisson là, mais je suis pas sûre que ça pousse. Sinon, ça va servir. Voilà. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah si! Enterré. Magnifique. J'ai mis un petit truc. Du coup, je vais pas le prendre parce que j'ai encore une place. Par contre, là, j'ai plus de place. Mais ce coin-là, on s'en occupera la prochaine fois. Voilà. Ouais. Ici, ça va peut-être bizarre comment ça s'arrête, non? Non. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin, la prochaine fois, ça sera poussé. Pourquoi on a une fleur là qui n'a rien à voir ici? Attendez. Non, mais quel imbécile! Bon, bah on sait qu'il manque un buisson là, hein? Enfin, récupérer un buisson. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire. Et oh là! Mais c'est quoi ce cadrage pourri? Ah ouais, mais avec mon câble, en fait, ça tire sur mon téléphone. Bon, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite. Bye bye!